Il y a 31 ans, Idrissa Seck a dirigé la campagne présidentielle du candidat Abdoulaye Wade. Il n'avait que 29 ans. Alors que le Sénégal découvre un jeune loup en politique, il suspend ses activités pour réinvestir le champ académique. L'enfant de Thiès, déjà diplômé à l'époque de HEC et de Sciences Po Paris, prend la direction des États-Unis. Il intègre l'université de Princeton en 1989. Idrissa Seck assoit au pays de l'oncle Sam une carrière professionnelle dans l'audit. De retour au Sénégal, il reprend sa place auprès du pape du Sopi. Il est aux côtés de son mentor dans le gouvernement d'Union nationale de 1995. Idrissa Seck y occupe le poste de ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrialisation. Mais le PDS ne tardera pas à retourner dans l'opposition. En 2000, comme en 1988, il se retrouve directeur de campagne du candidat du PDS, le Triomphe. Wade est à la magistrature suprême. Idrissa Seck, numéro 2 du PDS, se voit directeur de cabinet du président. L'ascension se poursuit en 2002 à la primature. Idrissa Seck sera premier ministre 2 ans durant. Il sera destitué en 2004, bisbille avec le chef, divorce avec le parti. Idrissa Seck passe de dauphin à opposant. En 2007, il est candidat sous la bannière de son propre parti, Réumi. Il termine deuxième derrière le président sortant. L'élection de 2019 sera sa troisième tentative. 12 ans maire de Thiès, président du conseil départemental depuis 2014, l'ancien premier ministre du Sénégal joue la carte de l'expérience. C'est sous la bannière de la coalition IDI 2019 qu'Idrissa Seck, 59 ans, s'est lancé dans la présidentielle.